Good morning, allez Yiden, l'étude sera aujourd'hui le Lunishmat Mori de Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, 30 jours déjà. Nissim ben Ahuda, Sarah batran Rachel, Shlomo ben Esther, Risha batraim Nechemia. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Dumisha contre les 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Zvachim, Perek Bet Mishnah Aleph. Kol Zvachim Shikibel Laman Zar, Onen, Tvulyom, Mechusar Gadim, Mechusar Kippurim. שלא רחוץ ידיים ורגליים, הראל, תמה, יושב, עומד על גבי כלים, על גבי בהמה, על גבי רגלי חברו, פסל. קיבל בשמאל, פסל, רבי שמעון מכשיר, נשפך אדם על הרצפה ואספו, פסול. נתנו על גבי הכבש, שלא כנגד היסוד. ניתן את הניתנים למתן למעלן, ואת הניתנים למעלן למתן. את הניתנים בפנים בחוץ, ואת הניתנים בחוץ בפנים, פסול, ואין בו קראת. Trois sujets dans notre Mishnah. Premier sujet va être d'abord de définir toutes sortes de personnes qui pourraient faire une avoda, et parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire l'avoda, ils vont rendre pasoul le korban. D'accord ? Ils vont invalider le korban. Par exemple, donc, kol azvachim. Shekibel Daman Zar. Tous les sacrifices dont le sang a été reçu par un Zar, un étranger, soit la Avoda, depuis la Kabbalat Adam, le moment où on reçoit le sang, elle doit être réalisée que par un Kohen. La Shrita, c'est bon à savoir, la Shrita, elle peut être réalisée par un Israël. J'ai même vu dans Rabbeinu Bechaye une fois, qui a écrit que c'était les Lévim qui faisaient la Shrita, c'était même pas les Kohanim. En tout cas, il y a marqué comment c'est pas Veshachat oto al yerech hamizbeach vezarku bnei Aaron haKohanim et damo. Il y a écrit Veshachat oto, il l'égorgera, on ne sait pas qui. Et après Vezarku bnei Aaron haKohanim et damo. Pour la zrika, aller verser le sang sur le misbeach, c'est qui le fait? C'est les Kohanim. La zrika, ça implique récupérer le sang et aller le chercher et aller le verser ensuite. Mais en tout cas, la shrita elle-même, elle peut être Shrita Kshera Bezar, elle peut être réalisée par un étranger. Mais en tout cas, à partir du moment où on reçoit le sang, la réception du sang, elle doit être réalisée que par un Kohen et non par un Zar. Idem encore avec un Onen. Un Onen, c'est le premier jour du deuil, le jour où le proche parent décède, un des sept proches, le père, la mère, le frère, la sœur, le fils, la fille et la femme. D'accord ? Donc le jour du décès, ça s'appelle, on est onen, c'est une forme de deuil particulière, où donc lorsque l'on est onen, un Kohen n'a pas le droit de faire la avoda, à l'exception du Kohen Gadol. On l'avait déjà évoqué à la fin de Horayot. Tvul Yom. Alors maintenant, tout de suite, je vais dans une même lancée, je vais faire Tvul Yom et Mechusar Kippurim. Avant d'expliquer le Mechusar Gadim, il faut savoir, un Kohen impur n'a pas le droit de faire une avoda. Parmi les types d'impuretés, il y a certaines impuretés où il suffit d'aller se tremper au mikvé, on est pur tout de suite après. Et des fois, il faut se tremper au mikvé et attendre le coucher du soleil. Et pendant cette phase intermédiaire, on s'appelle un tvul yom. On était ni tovel bayom. On s'est trempé dans la journée, mais on n'est pas encore pur jusqu'au soir. Il y a le passage qui nous dit, je vais taher. Il faut attendre la fin de la journée pour devenir pur totalement. Et il y a encore des fois d'autres certaines purifications, essentiellement le Metzora, le Zav, la Zava, où cette fois-ci il ne suffit pas que de se tremper au Mikvé, il faut aussi apporter des korbanot particuliers pour finir la pureté. Et donc, dans ce cas-là, on s'appelle un Mechusar Kippurim. Il manque d'apporter ses expiations. Soit, par exemple, on va prendre un Metzora, lorsqu'il va vouloir se purifier, il y a tout un procédé avec toute la Taharat Metzora, on aura l'occasion d'en parler un jour, mais en Tachem, avec les oiseaux du Metzora, égorger un des deux oiseaux et tout ça, tout un rituel. Et puis après, il se rend au Mikvé, et puis après, il doit apporter des korbanot pour finir sa Tahara. Apporter des korbanot spéciaux, le Hacham Metzora, en l'occurrence. Et donc, tant qu'il n'a pas apporté son korban, il ne sera pas pur. Il y a des halakhot bien particulières, comment apporter un korban alors qu'il est lui-même impur. Il doit aller dans certaines parties de la Hazara qui n'ont pas été sanctifiées. C'est tout un procédé. Ça, donc, on a expliqué ce qu'est Tvul Yom et Mechusar Kippurim. On a juste au milieu Mechusar Gadim, celui qui manque des vêtements. Il faut savoir, le Kohen qui fait une avoda, il doit porter 4 vêtements. Mirnasaim. La tunique. La tunique, le avnet et la mikvat, d'accord, le chapeau.
Donc, ça nous fait 4 gadim pour le Kohen et 8 gadim pour le Kohen Gadol. L'actonet, la tunique, l'actonet, voilà. Michnasem, ktonet, avnet et mikbaat. Et pour le Kohen Gadol, il y a 8 vêtements. Si le Kohen, un Kohen par exemple, il va servir avec un vêtement en moins, ouais, il ne va pas mettre sa ceinture par exemple, ou il ne va pas mettre son chapeau, eh ben, la voda elle est devenue psoula. Idem avec le Kohen Gadol, il doit faire avec les Shmon et Bgadim, vous rajoutez sur l'actonet, vous leur rajoutez le Ephod, le Choshed, vous lui mettez le Tzitz, et il y a son net. S'il manque un de ces 8 vêtements, la voda est impure et est invalidée. D'accord? Ça c'était Mechoussar Gadim, celui qui manque des vêtements. Ensuite. Il y a beaucoup, il rapporte plein de choses, mais quand le Mishnah est très long, on ne va pas trop rallonger dessus. Mais il parle justement des tfilines du Kohen Gadol et du Kohen. Il mettait le tfilin de Shalrosh, mais pas le tfilin de Shaliyad, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait de Khatissa entre le vêtement et l'ami. Ensuite, il y a Shelo Echutz Yadaim Veraglaim, celui qui ne sait pas purifier les pieds et les mains. Le Kohen, tout Kohen qui voulait servir au Beit HaMikdash, il devait, ce qu'on fait nous au Netilat Yadaim, le matin, c'est en souvenir. De la Netilat Yadaim des Kohanim qui venaient faire la voda. Sauf qu'ils ne se lavaient pas que la main, ils se lavaient la main et le pied. Ils mettaient la main sur le pied, ils versaient de l'eau, et puis après ils mettaient la main sur le pied de l'autre côté, et puis ils reversaient de l'eau. C'est comme ça qu'ils faisaient la Netilat Yadaim, Veraglaim, à partir du Kiyor. Et voilà, ensuite on continue. Donc on a fini pour le moment, on a parlé de plusieurs types de personnes invalides, donc on en a parlé, ok ça marche. On en est là, Arel. Arel, c'est celui qui a fait celui qui n'a pas fait le Brit Mila. Même si, c'est parce que ses frères, ils ont fait le Brit Mila, ils avaient des problèmes, ils sont morts. À cause de la Brit Mila, à partir de deux ou trois frères, je ne sais plus, qui décèdent, le quatrième frère, ou le troisième donc, ne fera plus la Brit Mila. Il est dispensé de faire la Brit Mila. Mais malgré tout, si c'est un Kohen, il ne pourra plus faire la Avoda au Beit HaMikdash. Parce qu'un Arel, il est invalide pour faire la Avoda. Et de ce fait, ici, il est quand même parti apporter un Korban. Alors, il invalidera le Corban. Ok ? Tamé, celui qui est tout simplement impur. On a parlé de toutes sortes de personnes qui se sont purifiées, mais pas assez. À plus forte raison, celui qui est complètement impur. Et là, maintenant, on va voir toute une petite série qui se fonde sur le même principe. Yoshev, celui qui s'assoit, il faut être debout. La Hamod les charrettes, il y a marqué dans le verset. La Bartano rapporte. Shelo Yeshirut et la Mehomed. Il faut nécessairement servir quand on est debout. Ou encore. Omed al-gabe kelim, al-gabe behema, al-gabe regle chavero. Celui qui est debout, mais sur un ustensile. Ou encore sur un animal. Ou encore sur les pieds de son copain. Il y a des raisons pourquoi. Il y a d'abord le principe. Il faut être nécessairement la mode, les charrettes. Il rapportait le pasouk dans le Barthénora. Je ne le retrouve plus, c'est pas grave. Ah oui, non, c'est déduit du. Il faut qu'il n'y ait pas de khatitsa en fait. Il faut qu'il n'y ait pas de khatitsa. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait d'écran d'interruption entre la Ritzpat à Hazara, le parterre, le sol de la Hazara, et le Kohen qui fait le service, qui reçoit le sang, qui le transporte, qui va le verser sur le Mizbeach. Il ne faut pas qu'il trate ça. Donc il faut qu'il soit entièrement posé. À exclure, donc s'il est posé sur. Il se met debout sur un. Il a mis un ustensile par terre, il a mis même un tapis par terre, il n'est plus directement en contact sur la Hazara. Et même s'il met ses pieds sur un animal. On aurait pu croire que l'animal, ce serait peut-être un peu mieux que si que ça fait moins écran, étant donné que c'est moins fixe. Et puis, à plus fort, et aussi, on a eu besoin de préciser, même si c'est sur les pieds de son copain, parce qu'on a une règle dans les L'chot Ratzitsa, que min bemino eno chotetz. Ouais, le loulav, par exemple, lorsqu'on prend le loulav, on fait le koshiklar, le fameux étui dans lequel les Ashkenazim, essentiellement, ils mettent le loulav et le font avec des feuilles de palmier. Pourquoi avec du palmier et pas autre chose? Comme ça, il n'y a pas de problème de Ratzitsa. Il y a de quoi manger sur le sujet, mais en tout cas, on a une règle que min bemino, la même espèce ne fait jamais de khatitsa. Donc selon ce principe, on a pu croire que moi, qui suis un homme, si je mets mes pieds sur un autre homme, alors ça ne fait pas de khatitsa avec le sol, et bien malgré tout, c'est aussi une khatitsa parce qu'il faut que je sois en fait en contact direct. D'accord? Donc dans tous ces cas-là, Passal, il a rendu invalide toute la avoda. Bon, au prochain, on a fait le tiers le plus important de la Mishnah. Donc tout ça pour nous apprendre tout type de personnes qui invalide la voda parce qu'ils sont impurs, parce qu'il n'a pas les vêtements adéquats, parce qu'il ne s'est pas purifié comme il fallait, il n'a pas fait Netilat Yadaim, il n'était pas directement en contact avec le sol de la Hazara. À présent, Kibel Bismol, Passal Rabbi Shimon Marchir. S'il a reçu le sang avec la main gauche,
il a rendu le korban invalide. Et Rabbi Shimon pense que c'est permis. Ça, c'est déduit d'eux. Alors, tout d'abord, c'est un limoud un peu... c'est déduit dans le Metzora. Lorsqu'on fait la purification du Metzora, justement, lorsqu'il apporte son hacham, il y a la barre marquée qu'il faut lui mettre une goutte de sang sur le doigt, sur le lobe de l'oreille. Et là-bas, la Torah insiste, etzbao ayemanit, le doigt droit. Et de ce fait, on déduit aussi qu'il en va de même pour, lorsque la Torah nous précise maintenant le damachatat de le mettre avec le doigt, la Torah dit, velakach hakohen, midamachatat, beetzbao venatan. Il faudra prendre le sang avec son doigt, lo beetzba, et la beetzbao, avec son doigt. Donc là, on fait une sorte de xerashava, où on déduit que etzbao, comme ce qui a marqué dans l'autre parasha du Metzora, etzbao, c'est le doigt droit. De ce fait, il faut que là aussi que ce soit le doigt droit, excusez-moi. Et donc il doit mettre avec ce doigt-là, d'accord? Etzba yamin. Et avec lui, il fait ensuite l'aspersion, il asperge le sang du khatat, ou bien il dépose sur les quatre coins du misbéach. Et de ce fait, c'est déduit comme ça. Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord sur cette déduction, sur le fait de devoir jeter tous les sangs avec la main droite. Ok? Ensuite, Nishpach Adam al Ritzpa va Asafo Pasoul. Là, il y a écrit comme ça. Celui-ci, le sang s'est renversé. Pendant qu'il a réceptionné le sang, il était en train de l'apporter et il l'a fait tomber par terre. Non. Petite introduction d'abord, très courte. Il faut savoir qu'il suffit de récupérer, lorsqu'on récupère le sang, il suffit même, s'il y a eu une seule goutte qui est arrivée sur le misbéach, on s'est acquitté du devoir d'apporter le. On s'est acquitté. A priori, il valait mieux tout verser, mais même si on a mis même une seule goutte, ça suffit. De ce fait, maintenant, le Kohen, il a reçu le sang. Pendant qu'il est en train de marcher, il a trébuché, il l'a renversé par terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse par terre, il essaye d'en remettre un petit peu, puis il prend ce qui reste, il le verse sur le misbéach, ou il asperge, si il veut l'asperger. Est-ce qu'il s'acquitte? La Mishnah nous enseigne non. Nishpach Adam al Ritzpa. Le sang s'est renversé sur le sol, va à sa faute. Il l'a réuni, il l'a ramassé. Pas saoul. C'est invalidé. Pour quelle raison? Parce que là, il y a le passage qui nous dit « Velakar midam hapar » il devra prendre du sang du taureau. Et il y a des raisons pourquoi Ramim ont déduit que non, il faut faire en fait, il faut prendre le même et le déplacer. Et au lieu de dire « Velakar midam hapar » on prend « Velakar hadam me hapar » le même, on le prend de midam et on le met sur le par, on fait « Velakar dam me hapar » il y a une halakha particulière en tout cas, de prendre directement le sang depuis l'animal pour aller le verser directement sans interruption. Et s'il se renverse par terre, alors là, il y a eu une petite interruption. C'est pas ce qu'il fallait faire. Ok, ça marche. Dernier sujet maintenant de la Mishnah. On va le faire d'abord à l'oral avant de le lire dans les mots. C'est très simple. Il y a, lorsqu'on apporte un korban, il y a une adresse particulière où aller déposer chaque sang selon le type de korban. Si c'est un khatat, il faudra le mettre dans la partie supérieure du misbéach. Si c'est la plupart des corbanotes, ce sera dans la partie inférieure. Et des corbanotes, où il faut mettre le sang sur le misbéach à pnimi et l'asperger sur la parochet, sur le rideau du echal. Ouais, on rentre dans le echal, vous savez bien, au Beth Amikdash, il y avait l'autel qui était dans le chatser, dans la cour, dans la hazara. Et on pouvait entrer aussi dans le, je crois que ça s'appelle le sanctuaire, le Saint des Saints, là-bas, d'accord? Il y avait d'abord le Echal, et ensuite, plus profondément, on rentrait encore même dans le Kodesh HaKodeshim. Il y a certains korbanotes, très solennels, en l'occurrence ce qu'on apprenait dans Rayot, par Elam Davarchak Tzibur, par Kohen Mashiach, où il fallait aller verser le sang à l'intérieur, et il y a des korbanotes où il faut verser le sang sur le Mizbeach de l'extérieur, et il y a des fois, donc, comme ce qu'on a dit, des fois où il faut verser le sang en bas, et il y avait là-bas, autour du dans le sur le misbéach, en fait, il était haut de 10 amotes en tout. 10 amotes, une ama, ça fait l'équivalent de 48 ou 60 cm, selon Razouni, je l'imprimais. Donc vous imaginez, ça fait 6 mètres de hauteur, ça c'est important quand même, hein, ça fait un immeuble de 3 étages plus ou moins. Et il y avait là-bas, un peu à la moitié, il y avait ce qu'on appelle le Chuta Sikra dans le misbéach. Il y avait une petite rangée de pierres qui délimitait le haut du bas du misbéach, d'accord, à la moitié. Là-bas se trouvait le sovev, où les Kohanim faisaient le tour du misbéach pour asperger certains sangs, selon certains rituels.
En tout cas, pour en revenir à notre sujet, donc le misbéach était bien séparé dans la partie supérieure et la partie inférieure. Il y a des sangs qu'il faut asperger en bas et des sangs qu'il faut asperger en haut. Je vous dis d'abord la règle. Lorsqu'on a une adresse particulière, si on s'est trompé, on l'a donné ailleurs, au lieu de le mettre en bas, on a mis le sang en haut. Ou au lieu de le mettre en haut, on l'a mis en bas. Au lieu de le rentrer à l'intérieur, on l'a mis sur le misbéach. Au lieu de le mettre sur le misbéach, on est parti le rentrer à l'intérieur et l'asperger sur le echal. Le kohen, il s'est embrouillé. Alors, la halakha fixe que le propriétaire qui a apporté le korban s'est acquitté de son devoir d'apporter le korban, mais le korban, il est impropre à la consommation, il est devenu pasoul. C'est assez original. On s'est acquitté du devoir d'apporter le korban, mais le korban, il a été, puisqu'elle a été mal fait, alors on ne pourra plus le consommer. D'accord? C'est clair, vous avez compris? Eh bien, vous avez compris toute la Mishnah. Regardez, pire que ça, la Mishnah elle va introduire en disant quelque chose de plus original encore. Au lieu de le mettre sur le misbéach, vous savez bien que sur le misbéach, pour pouvoir atteindre les 6 amot, les 10 amot, les 6 mètres, il y avait une grande rampe qui faisait 32 amot, donc l'équivalent de 16 mètres, plus ou moins. Une rampe qui montait doucement, doucement, pour pouvoir arriver sur le misbéach. Ce qu'il a fait le Kohen, au lieu de le verser sur le misbéach, sur l'autel, il est parti le verser sur la rampe. Et bien, il s'est quand même acquitté du devoir, même si le korban, il est devenu pas saoul. Alors, la Mishnah nous enseigne. Netanol gabea kevesh. Si, il a versé le sang sur le kevesh, sur la rampe. Shelo kenegada yesod, ou encore il l'a versé, mais pas là où il y avait le yesod. Le socle du misbéach. Le misbéach, ça va être un peu long à expliquer, j'ai pas envie de trop manger. On aura l'occasion peut-être d'en reparler, mais en tachem, surtout quand on fera midot. Le misbéach, c'était pas un bloc de pierre qui montait. Il commençait à monter une amma, une hauteur de une amma. Il faisait 32 amot de. 32 amot. Pourquoi je vous ai dit? Non, c'est pas. 10 amot, d'accord? Il faisait 10 amot de hauteur. Il montait une amma et après il rentrait. Et il était un peu quelque part un peu en forme d'escalier. Il y avait tout d'abord il montait comme ça une amas, après il rentrait, après il continuait à monter, après il rentrait encore une deuxième fois. Après il remontait, puis après il y avait les carnotes à misbéach. Et là-bas il y avait un petit sur le haut du misbéach, il y avait un petit cheville, un petit j'ai pas les mots, désolé, c'est pas grave. En tout cas, on s'est compris. Maintenant, ce que je vous ai dit en bas, la première amas, la largeur de une amas d'une coudée qui faisait le tour du misbéach. Alors, elle ne faisait pas tout le tour du misbéach. Il y avait dans certains endroits où c'était tout simplement coupé, il n'y avait plus de hamas. Alors, il y en a l'acha maintenant où il faut spécifiquement asperger le sang sur le misbéach, là où en dessous il y a ce fameux socle, et pas là où c'est coupé. D'accord? C'est clair? C'est ce que la Mishnah vient de nous enseigner. Si vous n'avez pas compris, ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de le revoir à l'occasion. Donc, Netano al-Gabé à Kevesh. Il a versé le sang sur la rampe. Shelo kenegada yesod, ou encore sur le misbéach, mais pas dans un endroit où il y avait en dessous le yesod. Il y a une halakha a priori de verser le sang là où il y a le yesod en dessous, mais là il n'a pas mis dans l'endroit où il y a le yesod. Le yesod ça veut dire le socle. Natan etanitanim le matan le malan. Il a versé le sang de ceux qui étaient censés arriver en bas, en haut. Ou encore, vetanitanim le malan le matan. Ceux qui étaient censés arriver en haut, ils sont arrivés en bas. Le khatat, il fallait le verser. Le sang en haut, là-bas sur les kranot, sur les coins du misbéach, ce qu'il a fait, il est parti l'asperger en bas. Ou encore là, oh là, il fallait la faire en bas, il est monté en haut, il a dit oh là, allez, je monte. Il est monté en haut, il a versé le sang en haut. Alors là, dans un cas pareil, la Mishnah va nous dire que le korban est invalide. On ne pourra plus le consommer, mais malgré tout, le propriétaire s'est acquitté de son devoir. Ou bien encore, les korbanot qui étaient censés être. Le sang versé à l'intérieur, dans le Kodesh, dans le Echal. Il fallait là-bas l'asperger sur le rideau, ou sur le Mizbeach HaPnimi, le Mizbeach HaKtoret, qui était à l'intérieur du Echal. Ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il est parti le verser Barhout sur l'autel qui était en dehors du Echal, celui qui était dans la Hazara. Ou encore, Vetanim Barhout, Bifnim. Au lieu de verser le sang à l'intérieur, il est parti le verser à l'extérieur. Dans tous ces cas-là, la Mishnah nous enseigne Pasoul. Le korban est invalide, c'est-à-dire, le bartonneur a précisé, il est « ve'asur ba'achila », interdit à la consommation, « ve'en bo karet », et malgré tout, celui qui le mangera ne sera pas passible d'un karet. Le bartonneur qui avait... c'était où que ça se trouvait, celui-ci? Voilà, vous regardez dans le livre 23 si vous avez
une Mishnah avec le Bartanora, Netano al Gaba Kevesh lo kenegadesot pasul, mikol makom nitkapru abealim. Le propriétaire a fait sa kapara. C'est-à-dire, si je devais apporter un korban khatat, je résume très rapidement, je devais apporter un korban khatat. Un korban khatat, nécessairement, le Kohen, il doit réceptionner le sang, monter sur la rampe et partir là-bas, l'asperger sur les quatre coins du Mizbeach. Ce qu'il a fait, ce Kohen, dans la lune, il est parti en bas, il a jeté, il a aspergé. Il a aspergé dans un endroit où il n'y avait même pas de yeson en dessous. Il est parti l'asperger sur la rampe. Il est rentré dans le Echal, il a cru que j'étais un Kohen Gadol, il est parti asperger le sang à l'intérieur. Je sais pas ce qu'il avait, il était fatigué ce Kohen ce matin-là. Et ce qu'il avait, donc, quoi qu'il arrive, je me suis acquitté de mon devoir, sauf que ce Korban Khatat, il ne pourra pas être consommé par les Kohanim. Et la Mishnah nous précise, si un Kohen le mangera, il ne sera pas passible d'un Korban Riouv Karet, il ne sera pas passible de retranchement. On apprendra dans la prochaine Mishnayot qu'un Korban, souvent, lorsqu'un Korban est devenu invalide, alors celui qui le mange sera passible d'un Karet. Si un Kohen va le manger, il sera Khaev Karet. En l'occurrence, celui dont le sang a été versé, pas comme il se doit, mais qu'il a quand même été versé, il ne sera plus passible d'un Khiouv Karet. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.